Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un tag. J'ai été taguée par Fanny de Madame La Fraîche. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Il s'agit du tag Je passe mon code de la route livresque. Donc on a en tout 7 questions. Donc je vais vous répondre au fur et à mesure. C'est vrai qu'il est vraiment sympa et assez original. Donc merci Fanny de m'avoir taguée. C'est parti, on passe avec les questions. Alors question 1, parking, combien de livres as-tu dans ta palle? Alors, je me suis mise à faire un peu comme Fanny, c'est-à-dire de ne plus mettre les suites de sagas que j'ai dans ma palle, c'est-à-dire que je mets uniquement le tome que je suis censée lire qui est dans ma palle, mais par exemple pour la saga L'Amant Ténébreux, au lieu de mettre les 7 tomes que j'ai dans ma palle, j'ai uniquement mis le tome 1. Ça me permet d'éviter d'avoir une palle qui est vraiment énorme, et en fait je trouve que finalement c'est vrai que ça fausse un petit peu parce que ils ne font pas vraiment partie de ma pile à lire tant que je n'en suis pas à ces livres-là, puisque je ne peux pas lire le tome 7 si je n'ai pas lu les précédents. Donc je trouvais que c'était un peu plus logique finalement ce que faisait Fanny. Au début je disais que c'était une tricheuse, mais finalement je trouve qu'elle a bien raison. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'en ai 130. Ça reste assez énorme, sachant que j'ai aussi enlevé, j'avais mis avant les livres, les jolis livres illustrés que je compte un jour lire, hein, mais en fait c'est pas dans ma palle directe à lire tout de suite. Et 130, c'est vrai que c'est assez important. De base, j'ai toujours dit que j'aimerais un jour, si je peux, redescendre à une palle, même ne serait-ce que de 5 livres, en fait, tout simplement d'acheter le livre que j'ai envie de lire au moment où je l'achète. Et non pas de l'acheter et le laisser dormir dans ma palle, mais je pense que ça n'arrivera jamais puisque je n'y arrive pas tout simplement. J'aime acheter des livres et j'aime les avoir dans ma pile à lire même si je ne les lis pas tout de suite. Après 130, ça reste quand même élevé, j'aimerais bien essayer de descendre au moins entre 100 et 50 tout simplement. Mais en tout cas la barre des 200, je ne veux pas l'atteindre parce que pour l'avoir déjà vécu plus d'une fois, je me suis rendu compte que quand j'achète trop de livres, et surtout quand je me fais influencer par rapport à des sorties qui font un gros tapage et que je ne les lis pas tout de suite, bah après je me retrouve à les vendre sur Vinted parce que je réalise que j'ai attendu trop longtemps pour les lire. Donc c'est pour ça que je veux pas non plus avoir un nombre trop conséquent de livres dans ma palle, mais bon, 130, allez, ça passe. Question 2. Limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ta palle? Bah du coup j'ai un peu répondu, mais je dirais que c'est 100. Voilà. Donc j'ai 30 livres en trop dans ma pile à lire, mais ouais, c'est vrai que 100, je trouve que c'est bien. C'est même énorme, hein, j'aimerais ne pas dépasser les 100. On verra bien si un jour j'y arrive. Question 3, route prioritaire, quel livre est ta prochaine priorité? Et bah c'est simple, au moment où je vous fais cette vidéo, je suis dans le challenge Romantasy. Et pour moi, le prochain livre que je vais lire, ce n'est autre que Le Roi Maléfique. Donc c'est le tome 2 de la saga Le Prince Cruel de Holly Blake chez Éditions Rageot. Puisque le tome 3 sort fin mars, de mémoire c'est le 23 mars, je l'ai précommandé sur Amazon et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc je suis assez curieuse de ce tome 2, surtout qu'on m'a dit que le tome 2 était encore meilleur. Et c'est vrai que ça, depuis que j'ai fini le tome 1, ça me tarde de me lancer dans cette suite, donc c'est ma prochaine priorité, ma prochaine lecture, ce sera celui-ci. Alors question 4, réservé au camion, quel pavé comptes-tu lire prochainement? J'ai hésité entre deux romans qui font partie d'ailleurs de ma palle du Challenge Romantasy, mais j'ai choisi Crescent City de Sarah Gimas chez De Saxus parce que j'avais hésité avec Nevernight pour être honnête, mais Nevernight étant un tome 2, je sais que je vais pas tarder à le lire. Surtout que le tome 3 a été décalé à mai de mémoire, donc je me suis dit que finalement Nevernight j'aurais le temps de lire le tome 2, même si j'ai très très hâte de me plonger dedans. Mais celui-ci, j'ai vraiment hâte parce que c'est un Sarah Gimas, parce que Fanny, elle arrête pas de me tanner avec ça. Que le tome 2, il est déjà sorti en VO, va pas tarder à sortir en VF. Donc il serait temps que je me lance dedans, sachant que celui-ci, je m'étais un peu beaucoup loupée. Quand ils avaient annoncé sa sortie, je m'étais dit, ça sert à rien que j'achète. J'avais pas encore fini la saga à Cotard. J'étais en plein, je crois, en train de lire le tome 2 ou le tome 3. Et je m'étais dit, oh, les autres livres de Sarah Gimas, vu que c'est une valeur sûre pour moi, je les lirai plus tard. Et je ne sais pas, quand j'ai vu les gens commencer à le recevoir, je me suis dit, ah non, mais en fait, je peux pas, il me le faut. Sauf que, bah, en édition reliée, il n'y en avait plus. Et je ne voulais pas attendre. Voilà, la fille qui veut pas attendre, de se dire, je me le rachèterai plus tard. Non, j'ai pas voulu attendre, du coup, je l'ai pris, mais en brochet. Après, l'avantage, c'est que c'est vrai, De Saxus, en ayant eu Nevernight aussi en brochet, parce que je n'avais pas trouvé en relié à ce moment-là, le dos ne me casse pas. Le dos ne casse pas, donc je sais pas. Franchement, leurs trucs sont assez solides. Après, celui-là, il est tellement énorme que je pense que je lirai en version papier quand je suis posée dans mon canapé ou dans mon lit. Mais par contre, je pense que si je dois le prendre pour aller
au travail, même si en ce moment au travail je ne lis plus du tout, ou même pour des déplacements, je le prendrai en e-book, hein, faut pas déconner, ça dans le sac, déjà il rentre pas dans mon sac à main, je vais pas prendre un sac à dos, mais c'est une sacrée belle bricasse hein, quand même, il fait combien de pages l'asticot là? Effectivement, il fait plus de 1000 pages, 955, ouais. Presque 1000 pages, donc voilà, mais il me tente énormément. Donc je vous en reparlerai très bientôt. Question 5, réserver au bus un livre que tu réserves pour une période spéciale. Alors celui-ci, j'ai failli sortir en 2018, je vais vous expliquer pourquoi. Et finalement, bah, il ira très bien pour cette année. Il s'agit de Trop beau pour être vrai de Crystal Higgins chez les éditions Mosaïque en format poche. Pourquoi je vous les ai dit en 2018? Parce qu'en 2018, j'ai ma meilleure amie qui s'est mariée. Et bah, ce livre, ça fait déjà un moment qu'il est dans ma palle. Honnêtement, je crois que ça fait bien depuis 2015 ou 2016. Ça fait hyper longtemps. J'ai toujours voulu découvrir la plume de cette autrice. Et je voulais le lire en 2018, vu que ma meilleure amie se mariait. Je m'étais dit, oh, ça pourrait être sympa. Ma meilleure amie s'est mariée, j'ai complètement oublié le livre. J'avais pas envie de le lire à ce moment-là. Je crois que je faisais un autre challenge, enfin bref. Mais vu que cette année, c'est moi qui me marie au mois de juillet, bah, je me suis dit que ça pouvait être sympa de lire ce livre. Alors, je ne vais pas le lire avant. Parce que je crois que ça parle quand même d'un mariage qui part un peu en vrille. Mais en fait, ouais, c'est une héroïne qui est invitée à son quatrième mariage de l'année. Mais elle n'a pas de cavalier pour l'accompagner. Donc ça a l'air d'être drôle, hein, c'est de la chiclite. Mais je me vois pas lire un livre comme ça avant le mariage. Parce que je pense qu'avant le mariage, je vais être stressée comme pas possible. Donc je pense plus que lire ce livre va me mettre dans un état horrible. Mais par contre, j'ai bien envie de le lire après pour en fait que ça me remémore des moments du mariage. Je trouve que c'est le livre qu'il faut que je sorte impérativement au mois de juillet. Enfin, fin juillet, début août, parce que je me marie le 23 juillet. Mais je trouve qu'il sera parfait. Donc ce sera l'occasion déjà de découvrir la plume de cette autrice que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Je trouve que la couverture, elle est vraiment sympa. Parce qu'en plus, moi, les personnages comme ça de gâteau, on en a justement... mettre sur un gâteau qu'on a trouvé, il était assez sympa. On n'est pas loin du style justement un peu drôle entre la mariée et le marié, mais voilà, il me tente énormément, donc si vous l'avez lu, parce qu'il est sorti vraiment il y a très 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 longtemps, n'hésitez pas à me le dire, mais je trouve que ça fera un joli petit clin d'œil à notre mariage. Question 6, stop, un livre que tu as abandonné. Alors, dans ma vie de lectrice, donc quand j'ai vraiment repris la lecture en 2014 et que je n'ai cessé de chroniquer des livres depuis ce temps-là, et d'avoir la chaîne YouTube début 2015, j'ai abandonné que 2 livres. J'ai du mal à abandonner les livres. J'avoue, je suis quelqu'un qui, même si je passe pas forcément le meilleur moment dans ma lecture, j'ai besoin d'avoir le dénouement final pour vraiment porter un jugement sur le roman. Mais j'ai abandonné quand même 2 livres, et celui que j'ai choisi de vous parler, que j'ai abandonné, c'en est un qui a été assez apprécié par beaucoup de personnes. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous en parler. Il s'agit de La Bibliothèque des Cœurs Cabossés de Katharina Bivald. C'est chez les éditions de Noël. C'est vraiment une lecture qui me tentait énormément parce qu'on suivait une héroïne et en plus on parlait de livres. De mémoire, elle ouvrait une petite bibliothèque dans un petit village. Et je me suis ennuyée, vraiment. Je crois même que j'avais réussi quand même à aller à la moitié du roman. Et je me voyais pas entamer la suite en fait. Je me suis dit, j'ai déjà tellement mis de temps à arriver à cette moitié que je peux pas supporter davantage, et je comprenais pas parce qu'il y avait eu un énorme engouement. Tous les amoureux des livres disaient, mais c'est le livre pour nous, mais moi non, je me suis fait chier, c'était horrible, j'en pouvais plus. Et enfin, la dernière question, la question 7, issue de secours, un livre que tu as arrêté mais que tu vas reprendre. Alors, j'arrête quasiment aucun livre en cours, je termine toujours un bouquin avant d'en attaquer un autre. Les seuls où je fais vraiment des pauses, bah, c'est les Harry Potter. Parce que, encore une fois, je le redis pour ceux qui arrivent, je n'ai jamais lu les Harry Potter. Moi, j'ai grandi avec les films, mais je suis une grande fan de cette saga. Et j'ai seulement commencé à lire les livres il y a un an, deux ans. En gros, je me faisais un Harry Potter par année. Et je m'étais dit, il faudrait que j'accélère un peu le mouvement. Sauf que celui-là, je suis à la bourre parce que celui-là, c'est celui de l'année 2021. Le tome 5, c'est celui de l'année 2021. J'étais censée lire le 6 en 2022. Mais je ne perds pas espoir. Ça ne saurait tarder. Après, le tome, honnêtement, là, le 5, j'ai bientôt fini. Hein. Il me reste juste ça. Mais forcément, bah, vu que je connais l'univers, je me dis, non, bah, Harry Potter, j'ai le temps. Mais le temps file, et voilà. Donc, il faut vraiment que je me bouge de le finir là. Peut-être que je me le finirai un week-end avant d'enchaîner avec une autre lecture. Et c'est vrai que Harry Potter, du coup, j'ai lu au compte-gouttes. En fait, il y a eu un moment donné, je l'avais même commencé un peu en audio. Et après, je m'étais remis à les lire en papier, parce que c'est vrai qu'en papier, j'aime quand même bien. Mais voilà, en tout cas, les Harry Potter, c'est les seuls
petites exceptions où je laisse le livre de côté et je le reprends après. Je les ai aussi en version illustrée et j'aimerais bien quand même un jour les lire aussi en version illustrée, mais je voulais vraiment les découvrir en tout premier lieu dans la première édition. Parce que les dernières éditions sont vraiment magnifiques, notamment Mina Malia, je sais plus le nom, vous savez les éditions qui viennent de sortir où elles sont illustrées, c'est un peu un mélange finalement du gros format illustré version VF quoi. Mais sauf que alors moi j'aurais bien pu craquer pour Manamilia, bref, j'arrive pas à retenir ce nom de ces éditions, mais vu que j'ai déjà en illustré, en VO et je les ai aussi en VF dans leurs premières éditions, je me suis dit Charline calme-toi, ça fait déjà 3 éditions d'Harry Potter. Et c'est vrai que même si les éditions aussi, je sais plus lesquelles c'est qui sont magnifiques, les dernières aussi, hein, enfin avant-dernière, il y en a eu tellement, il y en a beaucoup des magnifiques même avec les dorures dorées et tout, ils sont vraiment magnifiques, mais j'attache une importance aux toutes premières illustrations de la saga, vraiment les originelles. Et j'ai fait pareil pour la VO. La VO, même s'il y en a des magnifiques d'édition, j'ai pris les toutes premières qui d'ailleurs maintenant se vendent très 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 cher. Je pense que j'ai fait un investissement. Mais j'aime bien les toutes premières. Donc voilà, faut que je termine vraiment les Harry Potter en version VF roman pour pouvoir m'avancer aussi dans la suite et lire un jour aussi en version illustrée. Sachant que la version illustrée, j'ai les 4 premiers tomes du coup dans ma bibliothèque. Et le tome 5, je crois qu'avec le Covid, ça va bientôt faire 3 ans qu'on l'attend. Mais c'est hyper long parce que quasi chaque page est illustrée. Le tome 4, déjà, ils avaient mis bien 2 ans, je crois, à le faire. Donc d'ici qu'on arrive au tome 7, j'ai le temps de finir toute la saga. Mais Harry Potter, ça reste une valeur sûre pour moi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions si vous le voulez, je les mettrai en barre d'infos avec la vidéo de Fanny. Pour cette vidéo, je tag tout le monde, hein. J'ai personne à désigner en particulier, donc si vous voulez reprendre le tag, libre à vous. En tout cas, je remercie encore une fois Fanny parce que je l'ai trouvé vraiment très sympa et assez original. On n'avait pas vu vraiment de tag sur le code de la route, donc je trouve que c'est sympa. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas, si vous venez d'arriver, à vous abonner à la chaîne, à regarder d'autres vidéos, à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut !